Do you think it's a miracle we're still alive today? Oh oui, absolument. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ils m'ont épargné. Some people I knew that he would say, why don't you look into my eyes? And that meant already that he is suspicious, that your eyes are... À des gens, il pouvait dire, pourquoi vous ne me regardez pas dans les yeux? Ça le rendait soupçonneux et ça devenait dangereux. La personne se retrouvait dans les prisons de Beria et on le questionnait. Pourquoi tu évites le regard du camarade Staline? Hitler était très laid. Le nez semblait incongru. Ses yeux étaient pratiquement incolores, mais très pénétrants, fixes. Ils avaient tous deux des poignées de main molles. De la part de Jean Faure, on se serait attendu au contraire. Celle de Staline, indifférente, tombante. Et on avait peur de la serrer parce qu'elle était petite et délicate. On sentait les os. La poignée de main d'Hitler était désagréable aussi. Aucune pression, une main froide et moite. Comme si vous touchiez un crapaud ou un reptile. À eux deux, Hitler et Staline contiennent toute l'horreur de ce siècle. Sur l'échelle du mal, difficile de dire lequel surpasse l'autre. Le nombre de leurs victimes dépasse l'entendement, environ 50 millions. Ainsi disposées, elles feraient les 40 000 kilomètres du tour de la Terre. 50 millions de morts, en partie recette de la collaboration entre deux monstres. Car avant de s'affronter, la guêpe et l'araignée se sont nourries l'une de l'autre. Tous les opposent, mais ils suivent le même régime. Un régime d'un genre nouveau, inédit dans l'histoire de l'humanité, le totalitarisme. Hitler et Staline ont d'autant plus facilement coopéré que la collaboration entre l'Allemagne et la Russie est remontée à la Première Guerre mondiale, au temps des blocos du Tsar. Plus précisément, à 1917, l'année de la Révolution russe. La révolution bolchevique avait pour véritable objectif non la Russie, mais l'Europe. En tout premier lieu, l'Allemagne. Faisons sauter l'Allemagne et tout l'édifice européen éclatera. C'était la lubie de Lénine, ce sera celle de Staline. L'Allemagne, brise-glace de la révolution bolchevique mondiale. Tout est là. Le communisme s'est offert à l'autopsie. Elle a permis une mise en lumière de documents jusque-là enfouis dans les entrailles des organes, comme on disait dans les pays du rideau de fer. Dans des caves à archives, refermées aussitôt ouvertes, tant les trouvailles sur le passé de l'histoire de l'URSS devenaient accablantes. Mais ce qui a pu sortir s'est mis à circuler. Il existe à Moscou un marché de documents rares où les collectionneurs vous donnent rendez-vous dans des halls anonymes, avec des airs mystérieux. Notre enquête va bouleverser bien des idées reçues. Elle se nourrit de ce qui a déjà été mis à jour, de nos propres découvertes, de la remise à plat d'une histoire trop facilement acceptée comme définitive. À Berlin, en 1940, Hitler déclare... Les analyses de notre équipe d'historiens, les témoignages de rares témoins survivants... Hitler en a
Тимошенко прямо говорит, что виноват Сталин. La relecture des archives vont attenter au dernier bastion de la mythologie de l'histoire de l'ex-Union soviétique. Par exemple, Lénine. La Grande Guerre s'éternise, affreuse et inhumaine, en France comme en Russie, où la même guerre de tranchées se livre contre l'Allemand. À Saint-Pétersbourg, la révolution éclate, réaction naturelle d'un peuple épuisé par la guerre. Sur le front, la nouvelle de la révolution se répand comme une traînée de poudre. La troupe ne veut plus se battre. Ceux d'en face, les Allemands non plus. Les soldats fraternisent. L'état-major allemand est d'accord, trouvant enfin l'occasion de ne plus se battre qu'en France. Les soldats russes désertent et rentrent à la ville. Beaucoup y soutiennent la révolution. C'est là, en Suisse, qu'est tapi le grand professionnel de la Révolution, Lénine. Il lui faut rentrer en Russie, prendre la tête d'une révolution bourgeoise qui s'est faite sans lui. Mais comment et avec quel argent? Les Allemands vont lui arranger son retour, puisqu'ils le considèrent comme leur agent. Pour l'avoir démontré, l'auteur de ce livre explosif a été par deux fois tabassé dans les rues de Moscou, par des gros bras de la faucille et du marteau. Il en est resté invalide. Ce document prouve que l'ambassade d'Allemagne en Suisse versait des subsides importants aux bolcheviks, aux socialistes, en fait à tous les révolutionnaires russes. Le recrutement officiel de Lénine, quant à lui, date d'août 1914. Les intérêts de Lénine concordaient avec ceux des Allemands. Les deux parties y trouvaient leur avantage. Pour les Allemands, si la Russie est faible, l'ennemi est faible. Pour Lénine, si la Russie est faible, il peut organiser un coup d'État. Voici une trouvaille. Une lettre adressée au responsable du renseignement militaire allemand par Ludendorff, qui n'était ni plus ni moins que le chef adjoint du grand état-major du Kaiser. Ludendorff félicite le colonel Nikolaï de la qualité des informations politiques et militaires fournies par Lénine. Et il écrit que le plus grand succès de l'opération a été l'expédition de Lénine en Russie. Signé Ludendorff. Et c'est bien sur son ordre que Lénine est expédié de Zurich, en Russie. Churchill appellera cela l'inoculation du virus de la peste à l'Europe. Quand Lénine quitte Zurich, tous les services de renseignement d'Europe sont au parfum. Les services français ne sont pas encore bien sûrs de l'orthographe de son nom. Il y en a du monde dans ce wagon. Selon la liste agréée par le gouvernement allemand, Lénine, son épouse et une belle brochette de révolutionnaires, accompagnés de militaires allemands. Personne ne savait que dans ce wagon, deux officiers d'état-major allemands voyageaient avec Lénine et ses amis bolcheviks, sous de faux noms russes. Lénine a ensuite été hébergé par quelqu'un que j'ai justement connu, mon directeur de thèse, et qui recevait aussi les deux Allemands. Les Allemands apportaient aux bolcheviks une aide matérielle, mais aussi organisationnelle. La veille même du coup d'État d'octobre, Lénine a eu des contacts avec ces Allemands. Rendez-vous compte de l'importance du soutien qu'il recevait. Les Allemands et les bolcheviks coordonnaient leur action. Sans la manne de la Reichsbank, comment Lénine aurait-il pu faire imprimer des millions de tracts, tirer 360 000 journaux par jour pour répandre les idées bolcheviques ?
Il est d'ailleurs poursuivi par le gouvernement pour propagande et espionnage au profit de l'Allemagne. Quand il prend le pouvoir, un des premiers gestes de Lénine sera de faire disparaître les deux caisses de documents à charge accumulées contre lui par le juge. Mais les traces de ces documents en dehors de Russie sont demeurées, dans une surabondance frappante. Tenez, voici un reçu signé par Staline. Il recevait des couronnes et des roubles. Demandez-lui si sans l'argent des Allemands, les bolcheviks auraient pu faire la révolution. Lénine a donc des moyens. C'est grâce à la propagande et à la rue qu'en octobre 17, par un coup d'État, il renverse la révolution démocratique de mars au profit d'une dictature basée sur la violence et la terreur. Pour consolider cette dictature, Lénine doit mettre fin à la guerre avec l'Allemagne. Ce sera son plus dur combat, persuader ses propres camarades volontiers patriotes que pour sauver la révolution, il faut capituler sur les frontières. À Brest-Litovsk, les Allemands, enfin récompensés de leur investissement, voient arriver les représentants de Lénine. Les discussions entre Allemands et Russes vont avancer d'autant plus aisément que Lénine a donné aux négociateurs cette instruction. Signez n'importe quoi, la paix à n'importe quel prix, pourvu que nous conservions le pouvoir. De toute façon, la révolution en Allemagne annulera le traité de paix. Parmi les négociateurs, Trotsky, et surtout le représentant personnel de Lénine, le bolchevique de la première heure, Karl Radek. Radek a œuvré à la répartition des fonds versés par l'Allemagne aux révolutionnaires russes. La nouvelle va stupéfier les puissances occidentales en guerre avec le Kaiser. L'Allemagne est en paix avec la Russie bolchevique. Elle peut enfin transférer ses troupes de l'Est en France. Pour la Russie, le prix est lourd. Elle perd 1 million de kilomètres carrés, le quart de ses terres agricoles, la moitié de son industrie. Mais elle peut désormais utiliser ses troupes à réprimer les révoltes de ceux qui refusent la révolution et une paix indigne. C'est la guerre civile. Elle sera féroce. Pour l'Allemagne, un échec de Lénine signifierait une reprise de la guerre à l'Est. Elle continue de le financer. Mars 1918, télégramme de l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou. La politique d'entente de l'Allemagne avec la Russie nécessite 3 millions de marques or par mois. Si la situation l'exigeait, cette somme pourrait être beaucoup plus élevée. Alors qu'il est déjà au pouvoir et que toutes les réserves d'or sont entre ses mains, pourquoi Lénine doit-il demander à l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou 40 millions de marques, comme le montre ce document? Eh bien, ces 40 millions vont servir à étendre le pouvoir des soviets en utilisant des prisonniers comme mercenaires. Le pouvoir soviétique était installé à Petrograd, mais il fallait l'étendre à la Russie entière. Lénine a donc enrôlé les 2 millions de prisonniers allemands, autrichiens et hongrois comme combattants dans l'armée rouge. Et ils ont combattu la Красной армии. Plus tard, il a remboursé en tout 6 milliards en leur fournissant de l'or, des denrées alimentaires, du pétrole de Bakou et en mettant des usines à leur disposition. Et pendant ce temps-là, les gens mouraient de faim en Russie, les vieillards, les enfants. Pour eux, il n'y avait pas de pain. Le pain allait en Allemagne. La misère du peuple russe ne perturbe pas Lénine. Il le répète volontiers, il se fiche de la Russie, pays d'arriérés et de moujiks. La misère qui intéresse cet idéologue bourgeois est celle qui sévit en Allemagne.
l'Allemagne, pays industriel, avec un prolétariat mûr pour la révolution. C'est la théorie du brise-glace. L'Allemagne sert de brise-glace de la révolution, fait éclater l'Europe. La débâcle permettra à l'URSS de répandre la révolution dans le monde entier. Or, la misère en Allemagne est grande. La chute du régime impérial et la défaite de 1918 y répandent le désordre. Les villes sont gangrénées par un climat d'insurrection. Les milices communistes s'organisent, soutenues par les agents et l'argent de Lénine. Les soldats rentrés du front, hagards et désœuvrés, doivent choisir, rejoindre la révolte ou l'écraser. Beaucoup s'engagent dans les corps francs, organisés par l'état-major de l'ex-armée impériale. Unis par le sang versé pendant 4 ans de guerre, indignés par le coup de poignard dans le dos des communistes, les corps francs matent la révolte. Les révolutionnaires allemands se tournent vers Lénine. Un pays gêne Lénine. Entre la Russie et l'Allemagne, terre promise de la révolution, se dresse ce pays recréé par le traité de Versailles, la Pologne. Lénine veut faire sauter l'obstacle, en faire l'antichambre de la révolution en Allemagne. Il envoie des agitateurs auprès du prolétariat polonais, supposé lui lancer un appel. Beau prétexte pour offrir à l'armée rouge une nouvelle croisade, et pour les anciens officiers de l'armée tsariste, belle occasion de se purifier. Parmi eux, un général de 27 ans, Tukhachevski. Il a su mater une révolte paysanne. Il est nommé commandant en chef. Tukhachevski clame « La route de l'incendie mondial passe sur le cadavre de la Pologne. » Et les troupes et la cavalerie soviétiques envahissent la Pologne au cri de « À nous Varsovie, à nous Berlin, à nous l'Europe !» J'ai vu passer les Russes, près de la forêt. Ils étaient à cheval. Ils fonçaient vers Varsovie. Les Polonais sont d'abord bousculés par l'élan romantique. L'armée rouge atteint Varsovie, mais les Polonais se cramponnent à la Vistule. Tukhachevski donne l'ordre à son aile gauche de lui prêter main forte. Staline y est commissaire aux armées. Il commet une erreur capitale. Il ne répond pas à l'appel du commandant en chef. Par mépris de cette armée organisée par Trotsky, encadrée par d'anciens officiers tsaristes, à laquelle il préférait une armée de partisans. Et tout simplement parce que Joseph Staline n'aime pas recevoir des ordres. Enflammés par un patriotisme qui est pour eux une question de survie, les Polonais repoussent les Russes. Ils les repoussent non seulement en dehors de leurs frontières naturelles, mais bien au-delà, profondément en Russie, jusqu'à Minsk. Les Polonais leur ont mis une de ces raclées. Les Polonais ont arrêté le déferlement révolutionnaire. Les conséquences pour l'Europe sont capitales. Sans la victoire des Polonais devant Varsovie, l'armée rouge aurait peut-être pénétré le cœur de l'Europe et pesé sur son destin. Par la paix de Riga, la Russie perd encore davantage de territoire au profit de la Pologne. Pour Lénine, c'est la fin du rêve de la révolution immédiate et partout. En cette fin 1920, l'Europe respire. Mais Lénine ne renonce pas à son but ultime. Dès 19, il s'était doté de 2 instruments essentiels à son régime. À l'intérieur, une police politique, la Tcheka, organe suprême dans un régime où police et politique se confondent. Pour l'extérieur, l'international communiste, le Comintern, outil de la révolution mondiale.
Ces hommes qui posent sur les bulbes arrachés au clocher du Kremlin en sont les fondateurs. Ce sont des inconnus, choisis au petit bonheur, présents à Moscou ou convoqués de l'étranger. Ils sont une trentaine, sans mandat, ne représentant qu'eux-mêmes ou des partis communistes qui n'existent pas encore, comme le Suisse ou le Mongol. Aucune force armée n'aura jamais une organisation aussi rigide et centralisée que le Comintern. La vedette en est le représentant du tout nouveau parti communiste allemand, homme de confiance de Lénine, Karl Radek. L'idée de la révolution mondiale ne les quittait pas. Préparer les putschs, les complots, les désordres dans les différents pays au profit, si on dit, de la révolution. La révolution, c'est seulement un prétexte pour réaliser les buts essentiels, élargir l'Empire soviétique. Comintern travaillait comme une organisation totalement secrète. C'était le terme officiel, les agents secrets du Comintern. Il portait les pseudonymes, il utilisait les passeports faux. Une dernière tentative de Moscou de faire main basse sur l'Europe a lieu en 1923. En Allemagne, la crise économique atteint des sommets. Pour les pauvres, le communisme est l'espoir naturel. Man lehrte uns, dass der Ausweg. Il nous enseignait que pour sortir de la crise, la solution c'était forcément l'Union soviétique. Le pays où l'ouvrier et le paysan sont libres, le pays où on ne manque de rien, le pays sans crise. Les instructeurs comme Zinoviev ou Radek traînaient en Allemagne, ils faisaient de l'agitation, ils prêchaient que la révolution mondiale passerait par la révolution en Allemagne, et c'était clair pour tout le monde. Moscou envoie des agents du Comintern avec de l'argent et des armes pour encadrer le soulèvement souhaité par le Parti communiste allemand. Les preuves sont multiples. Par exemple, ce rapport d'un agent clandestin adressé à Dzerzhinsky, le patron de la Tchéka. Le pavé attend l'insurrection. Elle a lieu en octobre 23. À Moscou, d'intenses discussions avaient eu lieu sur une mobilisation de l'armée rouge pour porter secours à une révolution allemande qui verrait se dresser contre elle la France et l'Angleterre. Fût-ce au prix d'une nouvelle traversée de la Pologne, Staline en était franchement partisan. Mais le soulèvement communiste est un échec, parce que l'Allemagne entend rester allemande. L'ombre des soviets unit l'armée, la police et la République contre les communistes. La répression du gouvernement de coalition auquel participent les socialistes est impitoyable. Les communistes sauront s'en souvenir. Au même moment, à Munich, un certain Adolf Hitler tente un putsch. Il avorte. Mais Hitler se crée une réputation. En prison, d'où il sera bientôt relâché, il a le temps d'écrire la Bible du national-socialisme, Mein Kampf. Son idée directrice est une croisade contre le bolchevisme au nom d'une nation allemande puissante. Elle séduit d'emblée bien des Allemands. Pour les communistes, les espoirs d'une révolution prochaine s'évanouissent. La République de Weimar va s'imposer, tranquille et bourgeoise. Lénine s'était déjà rendu au réalisme. Après sa mort, Staline imposera l'idée du socialisme dans un seul pays d'abord. Karl Radek est l'homme qui exprime la nouvelle ligne. L'Allemagne existe, autant vivre avec elle et en profiter pour reconstruire une économie. Et l'Allemagne a tout à gagner à une collaboration avec l'URSS, puisque le traité de Versailles lui interdit d'entretenir une armée. En 18, alors qu'il était en prison à Berlin, Radek recevait avec grand train.
Au chef de la Reichswehr, qui venait le voir dans sa cellule, il prônait une entente entre les deux grands perdants de la Première Guerre mondiale. Ces discussions ont préparé le terrain à la conclusion d'une sorte de premier pacte entre l'Allemagne et l'URSS à Rapallo, en Italie, en 1922. L'accroche se fait quand le représentant de Lénine dit aux Allemands que la Russie est prête à leur racheter les armes qu'ils doivent détruire selon le traité de Versailles. Derrière les diplomates, les grands trusts allemands qui produisaient des sous-marins, des canons et de l'artillerie, comme Krupp, Siemens, cherchent désespérément un endroit où continuer à en fabriquer. L'URSS a elle-même besoin de machines pour en faire. Le deal est vite trouvé, venez fabriquer vos armes chez nous. L'Union soviétique fournit des bases aux différentes branches de la Reichswehr. Centre de formation, polygone de tir, aérodrome, camp d'entraînement pour les chars. La Reichswehr devient le précepteur de l'armée rouge et la Russie la terre d'entraînement de la Wehrmacht. Les images d'archives confirment ce que les contrats de l'époque que nous avons trouvés montrent. L'industrie allemande ouvre des usines d'armement en Russie. Gaz de combat, montage ou fabrication d'avions, comme Fokker. 20% des appareils fabriqués étaient rétrocédés aux Russes, enchantés par la bonne affaire. C'est en URSS que va pouvoir s'entraîner, pour de vrai, l'armée allemande. Un exemple à 500 km de Moscou, au cœur de la Russie profonde, Lipetsk. Dans la ville, les militaires allemands ont un quartier réservé. Dans cette base aérienne, ils s'entraînent sur des appareils allemands, assemblés et expérimentés en Russie. Sur ces bancs sont instruits les pilotes de la future Luftwaffe. C'est ici qu'est mise au point la technique du bombardement en piqué, celle-là même qui sera appliquée en Pologne et en France, avec le succès que l'on sait. Nous avons eu accès au dossier du KGB de Lipetsk et retrouvé la trace des pilotes allemands. La recomposition clandestine de l'armée allemande sur le territoire de l'URSS a longtemps été un secret d'État bien gardé. Les militaires allemands qui allaient s'entraîner en Russie n'appartenaient plus à l'armée allemande. Ils démissionnaient de leur poste et, à travers une officine privée dépendant de l'état-major, ils signaient des contrats en URSS. À leur retour en Allemagne, ils étaient réengagés par l'armée. Ni vus, ni connus. Nous avons retrouvé le seul survivant russe de cette époque. Il était alors mécano sur les appareils allemands. Ils étaient 50 ou 100 pilotes. Et chaque printemps, il y en avait de nouveaux qui arrivaient. À l'époque, c'était la famine partout. Si ailleurs, les autres ne recevaient pas leur ration, nous en tout cas, et nous étions assurés d'avoir la nôtre avec les Allemands. Nous travaillions avec eux, nous nous parlions, mais enfin, il ne fallait pas les siffler. Il fallait les appeler monsieur, ils n'aimaient pas qu'on les appelle camarades. Oui, ils étaient bons pilotes, très bons pilotes même, surtout lorsqu'ils ont reçu les Messerschmitt. Alors là, ils étaient très forts et nous nous comprenions bien entre aviateurs. Parallèlement à cette collaboration militaire mise en œuvre par Staline après la mort de Lénine, ont lieu des échanges commerciaux qui font de l'Allemagne le partenaire privilégié de l'URSS. Les traités commerciaux sont régulièrement renouvelés. Témoin de ces intenses échanges sur rail,
les locomotives, certaines conservées comme des héroïnes d'épopée. D'autres abandonnées d'épuisement au bout d'une voie, et les gares de transbordement comme celle de Brest-Litovsk. L'écartement de rails entre l'URSS et l'Europe était et demeure différent. On retrouve encore aujourd'hui dans les combinats russes bien des machines frappées de l'estampille des concerns industriels allemands de l'époque. En échange des matières premières russes, les Allemands fournissent à l'URSS les machines des temps modernes, sans lesquelles l'industrie de la patrie du prolétariat n'aurait pu connaître son grand bond en avant. L'équipement de l'industrie soviétique permet à Staline de lancer son premier grand plan quinquennal. Les films de propagande font leur beau jour de cette politique. La symphonie de l'industrie rayonnante se joue sous la baguette de l'ouvrier modèle Stakhanov. Et les chœurs sont bien souvent constitués par la main-d'œuvre gratuite du goulag. La fanfare est présente sur les chantiers. Dans la patrie des travailleurs, on ne travaille que dans la joie. La plupart de ces terrassiers sont des paysans chassés de leurs terres par la collectivisation, ou plutôt ceux qui ont réchappé d'une extermination organisée par le fusil ou la famine. Cette industrialisation à pas de géant a un but essentiel, l'armement. Staline a repris le mot de Lénine. Il nous a fallu une guerre mondiale pour instaurer le communisme en Russie. Il nous en faudra une autre pour l'étendre à l'Europe. Staline la voit venir, cette guerre, car il surveille de près ce qui se passe en Allemagne. La montée en puissance des nazis sert sa stratégie. Les Allemands cherchent un maître. Leurs aspirations, bientôt avivées par la crise économique de 1929, font chambre d'écho à ce tambour de la révolution nationale qu'est Adolf Hitler. Cette vision d'une Allemagne forte soulève l'enthousiasme des déçus du socialisme. C'est parmi les chômeurs et dans les classes moyennes qu'Hitler recrute les membres de sa force paramilitaire, les SA, section d'assaut. Assaut contre les bourgeois, contre la démocratie, contre les communistes. À chaque élection, les nazis gagnent du terrain. Leur force, c'est leur unité, cimentée par une foi absolue dans le fondateur du mouvement, par le serment au chef. En moins théâtral, on retrouve chez les communistes allemands le même serment à la cause. Le même mouvement de masse. En plus désordonné, les mêmes milices paramilitaires paradant avec des bâtons en attendant d'utiliser les fusils fournis par le grand frère soviétique. Après les meurtres de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, les communistes allemands n'étaient plus de vrais Allemands. Ils n'obéissaient qu'au Comintern, dirigé par les Russes. Ils ne se battaient plus pour le communisme allemand, mais pour la République soviétique. Les communistes et les nazis puisent leurs troupes dans les mêmes milieux populaires. À Berlin, 50% des SA sont des communistes convertis, souvent des communistes excédés par la mainmise de Moscou sur le Parti communiste allemand. Car chaque section, chaque organe du PC est dirigé par un délégué de Moscou investi de pouvoirs dictatoriaux. En cherchant à russifier le communisme allemand, Staline a donné à Hitler un surcroît d'audience. Dans les manifestations nazies,
J'ai vu le drapeau rouge avec fusil marteau barré et là-dessus la croix gammée. Ça veut dire pour moi une cellule, peut-être un groupe de communistes allemands qui était passé carrément du côté des nazis. Les nazis en étaient très fiers. Et vous savez, alors ça pour moi c'est évident que Staline a aidé l'arrivée au pouvoir légal de Hitler. Nazis et communistes allemands ont pour même ennemi le socialiste. Ils cultivent la même haine pour la République de Weimar, pour ces démocrates discutailleurs, volages et inefficaces. Le même dégoût de ces socialistes bourgeois coupables de toutes les alliances avec les conservateurs. Nazis et communistes éprouvent le même dégoût pour la culture occidentale. Avec le recul, on peut dire que les chefs communistes ont sous-estimé les opportunités d'accession au pouvoir offertes par la République de Weimar. Si les syndicats, les sociaux-démocrates et les communistes avaient constitué un large front uni, le fascisme d'Hitler n'aurait jamais triomphé en Allemagne. Alors que le nazisme prend son essor en Allemagne, devant le 6e congrès de l'Internationale communiste, Staline cite Lénine. Nous soutenons les socialistes comme la corde soutient le pendu. Et il désigne l'ennemi prioritaire, non pas les nazis, mais les socialistes. Ces socio-traîtres qui ont fait avorter la révolution en Allemagne. La social-démocratie, c'est le plus grand ennemi du prolétariat, c'est-à-dire du stalinisme. Parce qu'il ne supportait pas les sociodémocrates. Il ne supportait ni leur idéologie, ni leur sincérité, ni leurs dirigeants. Ils étaient les hommes intelligents, les hommes avec une très grande éducation. Staline comprenait qu'avec eux, il ne pouvait pas gagner. Le raisonnement de Staline est le suivant. Le capitalisme est condamné. Le fascisme représente le stade ultime de sa décomposition. La confusion qu'il créera permettra la révolution. Le patron du Comintern proclame en son nom « Le rôle historique d'Hitler est de déblayer le terrain pour les communistes. En accédant au pouvoir, les nazis détruiront l'appareil socialiste et l'État allemand lui-même. Hitler ne tiendra pas 6 mois. Ensuite, ce sera la lutte finale. Nous remplacerons Hitler et nous le jetterons dans la poubelle de l'histoire. » Et le Parti communiste allemand obéit. Le clergé de l'appareil avale la bulle de Moscou et l'applique sur le terrain. Les socialistes deviennent la cible préférée des coups de poing communistes. Coups de poing souvent partagés avec les nazis, pour qui le premier ennemi est aussi le socialiste. Nazis et communistes se livrent ensemble à des sabotages systématiques des meetings socialistes, par la violence. Politiquement, la complicité entre nazis et communistes se traduit par de grandes grèves communes, comme celle des transports à Berlin, par de nombreux votes communs au Parlement. Dans un référendum en Prusse, le PC s'aligne sur la position de Hitler. Les sociaux-démocrates ont distribué des tracts contre ce front d'action commun nazi-communiste dirigé par Goebbels et Ulbricht. Et là, la bagarre a commencé. Les SA ont attaqué les sociaux-démocrates à coups de matraques avec des pierres. Je pensais qu'au moins les communistes resteraient neutres. Pas du tout. Ils s'y sont mis également. Je n'en croyais pas mes yeux et pourtant, je l'ai bien vu. À cette époque, les communistes n'ont pas réalisé à quel point les nazis étaient puissants. Ils considéraient encore les sociaux-démocrates comme leur ennemi principal. Je ne me doutais de rien. Et j'ai failli tomber de ma chaise quand Walter Ulbricht nous a annoncé « Pour le référendum en Prusse, nous voterons avec le parti d'Hitler contre le gouvernement de coalition social-démocrate. Ce que nous voulons, c'est que les nazis prennent d'abord le pouvoir et ensuite, ce sera notre tour. » C'était la stratégie du parti. Il n'y aura jamais de « nous après ». Car lorsqu'Hitler accède légalement au pouvoir,
grâce à un gros apport de voix communistes, il ne le lâchera plus. L'homme un peu gauche et timide, que le vieux président Hindenburg a nommé chancelier. Tout le monde croit naïvement que c'est pour une courte durée. Calcule dès le premier jour la série des coups qui donneront à son gang tous les pouvoirs. Quand les nazis ont pris le pouvoir le 30 janvier 1933, ils n'ont pas tout de suite interdit les partis. Non, ils voulaient d'abord compter les poules dans le poulailler. L'occasion de plumer les poules lui est donnée le mois suivant, par l'incendie du Reichstag. Incendie communiste, selon les nazis. Qu'il l'ait fomenté lui-même ou non, Hitler trouve là un magnifique prétexte pour se faire accorder par le Parlement les pleins pouvoirs. Il interdit aussitôt les partis. La chasse aux rouges commence la nuit même de l'incendie. 4600 arrestations dans tout le pays. Des dizaines de milliers d'autres suivront. Tous les locaux du PC sont saccagés et fermés. Un ordre de grève général lancé par le parti offre à Göring l'occasion de proclamer « Nationaux-socialistes, pas de sentiments, nous ne pourrons remplir notre tâche sans une Saint-Barthélemy. » C'est d'abord pour y enfermer, torturer ou tuer les communistes que le régime nazi ouvre ses camps de la mort. Nous ne recevions plus d'instructions du parti. Nous ne pouvions compter que sur nos propres initiatives jusqu'au jour où les SS et les SA m'ont arrêté. Ils m'ont envoyé en camp, dans l'enfer nazi. Ce qui m'a le plus bouleversé, ce ne sont pas les coups de poing, les coups de matraque. Ce fut de voir avec horreur que d'anciens communistes étaient passés du côté des nazis avec les SA. Ils me crachaient dessus, ils m'insultaient. C'est ça qui m'a bouleversé. Un certain nombre de cadres communistes allemands réussissent à fuir à l'étranger. Dans les capitales d'Europe, comme Stockholm, Bruxelles ou Paris, il se présente dans les bureaux des partis communistes locaux, comptant y trouver des instructions de Staline. Mais Staline ne bronche pas. L'élimination du plus important parti communiste de l'époque en dehors de l'URSS ne lui fait pas lever le petit doigt. Staline et sa bande de copains, pour beaucoup des caucasiens comme lui, se sentent sans doute débarrassés d'un parti qu'ils n'ont pas entièrement façonné chez eux à Moscou et qui pourrait discuter leurs ordres. Et puis Staline est trop malin pour se brouiller d'entrée de jeu avec le nouveau chancelier allemand. Molotov dit à l'ambassadeur allemand « Vous pouvez traiter les communistes allemands chez vous comme nous traitons les prisonniers de droit commun chez nous. » Il ajoute en décembre 1933 devant le congrès des soviets « Nous n'avons aucune raison de changer de politique à l'égard de Berlin. » Et déjà Karl Radek, désigné par Staline pour maintenir les ponts ouverts, affirme « Seuls des imbéciles peuvent croire que nous romprons avec l'Allemagne. » Personne ne peut nous donner ce qu'elle nous donne. Le silence de Staline va d'autant mieux encourager Hitler à éradiquer le marxisme d'Allemagne. Le Kampf gegen den Marxismus wurde damals zum ersten Mal zu einem Kampfziel erhoben. Damals gelobte ich mir zum ersten Mal. Als unbekannter Eiserner diesen Krieg zu beginnen und nicht zu ruhen, bis endlich diese Erscheinung aus dem deutschen Leben beseitigt sein wird. La Saint-Barthélemy des communistes s'étend aux ennemis de toujours, les socialistes. Pour les nazis, il n'y a de socialistes que les nationaux socialistes. Albert Weichsmeyer est enfermé à Bautzen. Les nazis n'ont pas fait de différence. Dans notre parti aussi, les cadres ont été torturés. Beaucoup en sont morts.
Dans ces mêmes prisons a été jeté le chef du Comintern pour toute l'Europe, basé à Berlin, Georgi Dimitrov. Il est bien traité, il reçoit beaucoup, entretient des tractations avec la Gestapo. Ce Bulgare devait être le mets de choix du procès des incendiaires du Reichstag, le fameux procès de Leipzig. L'accusation se concentre progressivement sur un lampiste, le communiste hollandais Van der Lubbe. 6 mois plus tard, le Hollandais est condamné à mort. Mais Dimitrov est acquitté et renvoyé à Moscou à bord d'un avion de ligne allemand vidé de ses passagers. Pourquoi Hitler a-t-il laissé filer une telle prise? Un accord indirect entre lui et Staline ne fait aucun doute. Il dépasse le cadre d'un échange d'espions. Hitler relâche Dimitrov parce que lui non plus ne veut pas se brouiller avec Staline dès son accession au pouvoir. Or, Staline tient à Dimitrov. Il y tient parce que le procès de Leipzig en a fait un héros de la lutte antifasciste. Dans le monde entier, les partis et les intellectuels de gauche, aiguillonnés par le Comintern, se sont mobilisés pour le défendre et pour organiser la lutte contre le fascisme. Le mouvement a occupé la une des journaux pendant un an. Staline voit là une occasion rêvée de s'emparer du flambeau de la lutte antifasciste. Il fait ainsi une entrée fracassante sur la scène internationale et drapé d'une toute nouvelle respectabilité grâce à Hitler, il réussit à apparaître jusque dans les démocraties occidentales comme le plus sûr pilier de la lutte contre la menace nazie. C'est cette politique antifasciste brillamment appliquée en France par Maurice Thorez qui conduira à l'union des forces de gauche et au Front populaire de 1936. Elle conduira aussi à l'envoi des brigades internationales en Espagne auprès des républicains contre les fascistes de Franco. Staline a cru un moment aux perspectives rayonnantes pour son régime qu'ouvre la politique antifasciste parce qu'il pensait qu'Hitler ne resterait pas longtemps au pouvoir. Quand survient le choc, en une nuit, dans toute l'Allemagne, Hitler élimine les chefs des sections d'assaut. Il participe lui-même à l'assassinat de Röhm, son frère de combat de toujours. Les SA étaient à son goût turbulents, socialement trop roses, sinon rouges, trop puissants et donc menaçants pour son pouvoir personnel. Il leur préférera les SS, l'acide de la purification de l'Allemagne. Staline a apprécié le coup de maître d'Hitler, mais il a un problème. Il est maintenant convaincu qu'Hitler restera au pouvoir. Quand Staline a appris ça, il n'a cessé de répéter aux membres du Politburo pendant toute la semaine « Vous avez vu Hitler ?» C'est un grand homme, il sait comment se débarrasser de ses opposants. 6 mois plus tard, quand Kirov a été assassiné, Staline a fait la même chose. Effectivement, commandité par Staline ou non, l'assassinat du chef du parti de Petrograd l'arrange. Kirov était un homme populaire et savait dire non à Staline. Ce crime lui fournit le prétexte pour entreprendre une longue série de purges. Il va éliminer non seulement ses rivaux potentiels, tous ses rivaux, mais aussi tous ceux par millions, susceptibles de la moindre indépendance de pensée. Comme Hitler, Staline entend être obéi, au doigt et à l'œil. Toute la politique de Staline est maintenant fonction de ce constat. Dès lors qu'Hitler reste au pouvoir, fatalement, la guerre surviendra un jour. Staline n'en veut pas. Il faut la rejeter sur les autres, la France et l'Angleterre. Il doit donc s'entendre avec Hitler. Sa politique antifasciste ne deviendra vite qu'un paravent tactique. Et l'entente avec Hitler, sa vraie stratégie. Une partie d'échecs sournoise s'engage entre Hitler et Staline. Jusqu'à ce coup fameux. Le pacte germano-soviétique de 1939.